Hey, re tout le monde et bienvenue sur FTT. Mais cette fois-ci, c'est bien plus tard par rapport à l'épisode que je vous avais fait juste avant. Pour vous, c'était juste avant, moi ça fait juste 12 heures de plus, mais ce n'est pas grave. Sinon, pourquoi nous sommes ici? C'est principalement pour vous monter Tomcraft. Le cube que vous voyez derrière, c'est la magie. Mais dans mon inventaire, j'ai des jars. Les jars, ça m'a permis de... Vous pouvez voir sur Twitter ce que j'ai dit. C'est que, avec Redix, il m'a permis de montrer, voilà, comment avancer dans Tomcraft. Donc, principalement, Tomcraft, c'est un lieu de magie, un mode de magie complet, qui me permet justement de, avec des baguettes, des whips. Les whips, vous savez, ces petites boules qui se baladent, qui vous envoient des éclairs quand elles se sentent menacées. Se sentent menacées... Oula. Ok, sympa. Dès qu'elles se sentent menacées, elles vous jettent un coup d'éclair sur la tronche, voilà. Alors, moi par contre, là ce que je vais vous montrer, déjà je vais péter ça parce que ça va me gêner plus qu'autre chose maintenant. Du fait que j'ai agrandi, ça va me gêner. Voilà. Ça je vais retirer pour... mettre de la cobble. Alors voilà, alors je fais juste ça histoire de pouvoir poser mes jarres dans un proche avenir. Voilà. Tiens, ça aussi. Voilà, je vais poser une lumière. Tac tac. Ok. C'est vrai que j'ai encore les bottes. C'est pratique. Hop, hop, hop. Alors, pourquoi je fais ça? C'est principalement parce que je vais devoir poser des jarres pour permettre justement de faire de la magie supplémentaire. Au départ, la simple magie, c'est juste avec des bâtons. Comme ça, on peut se faire des crafts. Avec tout ça, on peut se faire des crafts. Moi, j'ai bien avancé. Du coup, je peux faire des baguettes. Et notamment, je vais faire cette baguette-là parce qu'elle... J'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire pour une quête. Une quête dans Tomcraft, donc je la fais. Ça m'a pris quand même environ 4 heures pour faire tous ces crafts. Hein. Je tiens quand même à le préciser que ce n'est pas non plus de tout repos. Alors je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Hop, ça aussi par-dessus. Toc toc, ça aussi. Alors Tomcraft, franchement, pour au début c'est très dur parce qu'il m'a fallu plusieurs heures avec Turtle pour justement connaître un petit peu les besoins qu'il aura par rapport à Tomcraft et tout son environnement pour me permettre justement de faire de la magie plus tard. Ceci est acquis, maintenant je peux m'amuser à faire de la magie. Bon, je vais juste jeter ça parce que ça me gère plus trop à rien. Ça, je vais le garder. Je vais garder ça. Là-dedans, je m'en fous, voilà. Alors ça, je peux jeter... Pas non, pas jeter, mais... Vous avez compris. Je récupère la Nezora que j'ai mis un petit peu partout. Voilà. Que j'envoie dans l'Under Chest. Je mets une autre lumière, voilà. Alors... Pour faire la baguette, d'après le livre, quand vous cliquez dessus, ça nous fait ça. Mais pour ça, il me faut ceci. Donc c'est pour ça que j'ai mis un silver wood au milieu. Et j'ai mis tous les ingrédients autour. Mais ce qu'il y a dans les jars, c'est ceci. C'est des aspects supplémentaires qu'il y a besoin. L'instabilité, modération. Hein. Bien sûr, ça peut être height comme modéré. Alors, n'importe où, on peut les mettre les jars. Mais de préférence, vaut mieux en mettre deux à chaque fois. Venir une là, une là, une là. Ici, 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 ici. Et il m'en faut que 7, c'est vrai. Je me disais, what? Il m'en faut pas 8? Non, il en faut 7. Pour d'autres, il en faut bien plus. Mais pour celle-ci, il m'en faut qu'une. Alors, vous allez voir que au niveau de la transformation de tout ça, c'est
super intéressant. Par contre, je pense que je vais plutôt enlever ceci. Ça pourrait gêner pour les crafts. Donc je vais l'enlever complètement. Voilà. Je vais juste me mettre en hauteur. Voilà. Bon, bien sûr, maintenant. Et paf! Regardez. Ça va être super beau. Vous voyez les fluides qui se mélangent aux blocs petit à petit. Chaque liquide est amené. Hein. Ah. Voilà. Une petite charde. Alors des fois il peut y avoir justement ce genre de choses. Petit éclair de droite et gauche. Faut surveiller. Alors ça prend des aspects dans les bottles hein, à chaque fois. Voilà, ça a été aspiré. Lui il est en train de se faire défragmenter la gueule. Lui aussi. Lui avec. Ensuite celle-là. Vient celle-ci. Voilà, j'ai mon premier bâton. Voilà. Sachant qu'il m'en faut plusieurs, bah on va répéter ce processus. Voilà. Alors, il m'en faut un là, un là. Alors, n'importe lequel sens, hein, il n'y a aucun souci pour ça. Hein. Sur certains crafts, ils vont vous demander le sens précis. Mais pour là, moi, j'ai juste besoin de ça. Il faut que ça soit vraiment devant lui. Et il me manque plus que le wood milieu. Voilà. J'ai encore assez de pepper dans les fioles. M'en faut 9, oui. Ça, j'en ai largement. Et j'ai juste à recommencer. Encore une fois. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est super beau. Hop. Bon. Oula. Alors, vous voyez, il faut surveiller. À un moment, ça crée un éclair. Ça peut exploser, donc vaut mieux en avoir d'autres sur soi. Vous voyez, c'est beau. Hein. J'aime bien les petites particules qui vont de droite et de gauche. Alors, c'est d'abord les fluides, puis ensuite, c'est les ingrédients. Ceci en priorité. La jaune. La rouge. Et il y a eu un fel. Je ne sais plus c'était quoi. Ça doit être un rouge. De la magie. C'est quoi la magie? Ah, c'est une... Voilà, c'est celle-là. Allez, aspire-la. Alors, vous voyez, des fois, ça peut merder complètement. Allez, je sais que tu peux l'aspirer. Non, tu veux pas l'aspirer? Ah bon. Bah, je te comprends pas. Bon, enfin bref, je reviens. Je vais voir un petit peu où est-ce que... Pourquoi ça bug. Et heureux, donc, bon, il y a eu un petit problème. C'est que ça n'a pas du tout voulu faire ça. Donc du coup, je suis en train de refaire justement l'extrait d'essence. Il m'en faut 9 comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai mis du lead à faire fondre. Faire cuire, je récupère l'aspect qu'il y a dessus en fait, c'est du fer et de l'ago. Donc justement, je récupère, j'attends un petit peu que ça macère bien, ça puisse justement récupérer toute l'essence qui est disponible dessus. Voilà, là j'en ai 14, donc du coup, une jarre. Voilà, je récupère l'ago, et là il y a du fer. Le fer, je dois le mettre dans ce vase. Voilà, là je n'ai récupéré que 14. Voilà,
Ici, ça continue. Alors, ça, c'est... Voilà. Ça, j'en ai besoin. Je le mets là. Voilà. Maintenant, il me manque juste l'essence principale. C'est de la magie. Sachant qu'il m'en faut... Attendez, je regarde un petit coup. Il m'en faut 9. Là, ça me donne deux fois le truc. Ouais, je vais utiliser les deux, tiens. Hop. Le fer, j'en ai beaucoup. Ah, c'est plus long, hein. Ça, c'est... nettement plus long. Ah, ça fait qu'un de magie. Non, ça est en train d'évoluer. Ah, je vais mettre le deuxième. Donc ça voudrait dire que j'aurais besoin de 3 jars. À moins si je les vide, mais... je pense que je vais plutôt garder justement le... les essences que j'en ai extrait. J'ai plus la... le seau. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai gardé l'armure, heureusement, parce que l'éclair que je me suis pris tout à l'heure, il chapit mal. Ouais. Donc, je fais ça, j'extrais l'essence, et on se retrouve encore un tout petit peu plus tard. Et re, donc, je suis toujours ici, sauf que je suis en train de récupérer la petite essence de chacun. Sachant que dans le truc là, il me reste ce genre d'éléments. Je vais chercher la bottle qui me permet de le récupérer. Donc ça fait toujours ça de gagner en fait. Hop. Voilà, ça se met dedans. En fait, on récupère vraiment tout. Hein. C'est plutôt gentil. Tac, voilà. Et maintenant, on va justement faire l'élément. Il me manque juste un petit truc. J'ai deux essences, c'est parfait. Je vais prendre une charge de noir. Et foutre là-dedans. Il m'en manque ceci, voilà. Que je mets là, l'ingrédient principal. Bah, secondaire. Et puis, il me faut ma petite baguette. Voilà. Qui contient encore pas mal de choses. Et je l'active. Allô, oui. Ah, il me manque pas une shard. 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manque. Il m'en manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai les 6. La bleue, je l'ai. La verte, je l'ai. La rouge, je l'ai. On va faire ça comme ça. La jaune, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai mise. Et la blanche. Je l'ai pas. Voilà. Normalement. Ouais, c'est bon. Allez, c'est reparti. Pourvu que ça dérape pas. Et merde. Alors ça, c'est justement de... là. Du pas du bon en fait. Récupère ce putain de truc. Ouais, je l'ai réussi.
avec une petite frayeur, mais je l'ai quand même récupéré. C'est plutôt pas mal. À cause de ça, mais bon, c'est pas vraiment dramatique. Oh, j'adore le bruit que ça fait à chaque fois. Ting, 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 ting. Alors, maintenant que j'ai ça, il faut ceci, ceci et cela. Et la baguette. Et il me manque quoi? De l'or d'eau. Je vais quand même essayer en me modifiant. Voilà. 22,8. Et je n'ai que du 18. Alors, pourquoi j'ai du 18? Parce que j'ai capturé un peu trop d'âmes. Bah, j'ai bouffé un peu trop d'âmes. Donc du coup, je vais me transformer en petite chauve-souris. Voilà, chauve-souris. Je vais nettoyer la pureté qui se trouve ici. Non, non. Voilà. Voilà. Je vais chercher justement ce qu'il me faut. Bon, les shorts au-dessus. Faut être un peu organisé parce que sinon on s'en sort pas du tout. Cette salle là, hop, voilà, c'est beau, c'est rangé. Donc il me faut 24 de d'or d'eau. Du coup, bonjour l'overworld. Bonjour la fabrique, j'ai changé, donc je vous montre pas trop. Je vais chercher Ordo. Ordo, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a déjà. Ordo, Ordo, Ordo. Peut-être la note là, mais ça m'étonnerait. Ah si. Ordo, voilà. Là, je suis en train de capturer l'âme. Ah là, elle est remplie. C'est juste cette âme-là qu'il me fallait en fait pour remplir la... la baguette de cet ingrédient. Principalement. Donc, hop. Retourne à l'âge 21. On se remet ici. Tintin! J'ai ma baguette. Ma silver wool staff. J'ai réussi à l'avoir. Bah bah voilà, c'était juste une petite explication supplémentaire parce que j'ai réussi à la faire. Voilà. Elle peut capturer jusqu'à 256 vis de chaque type. Ah, 250, hein, c'est quand même énorme. Hein. C'est, je crois que c'est les plus grandes. Bah c'est l'une des plus grandes. Hein. Celle-là c'est 100, celle-là c'est 250. Donc c'est les plus grosses. Bon voilà, c'était juste un petit bonus de notre notre série sur FTT, mais côté Tomcraft. Allez, sur ce, messieurs, moi je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye bye.